Coucou tout le monde, je sais, on est mardi, je vous ai pas posté de vidéo hier comme j'étais censée le faire, mais je vais vous expliquer tout de suite le pourquoi du comment. Donc comme vous l'avez certainement compris dans le titre, il va y avoir deux sujets si je peux dire dans cette vidéo. Tout d'abord la grosse partie ça va être le haul, puisque je voulais vous faire un haul sur les achats que j'ai fait il y a un peu plus de 10 jours à Noz à Pau. Donc je l'ai fait le même jour que mes tatouages et je voudrais vraiment ranger en fait les produits. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire ce haul là. Et puis je voulais vous informer, enfin vous informer, ça fait très parler en fait des petits changements qu'il allait y avoir sur ma chaîne concernant les jours de diffusion des vidéos. Et je voulais pas non plus vous faire une vidéo juste pour ça, puisque la vidéo aurait duré genre que 2 minutes, donc c'était peut-être pas la peine. Donc je vais commencer par cette petite partie et on terminera par le haul. Depuis à peu près 2 mois et demi, je postais 2 vidéos par semaine, donc une le lundi et une le jeudi. Ça permettait d'avoir une continuité et puis vous saviez en tout cas quand est-ce que j'allais poster une vidéo. Il arrivait de temps en temps que je mettais une vidéo en plus parce que j'avais tout simplement envie de vous en tourner une. Mais en général c'était le lundi et le jeudi. Donc on est mardi, hier il n'y a pas eu de vidéo, c'est pas que j'ai pas eu le temps ou que j'ai pas voulu, c'est juste que le lundi est consacré en fait à maintenant autre chose, notamment à la vidéo que je poste pour la Glamrock Collab, puisque c'est une collaboration sur YouTube. C'est plusieurs filles qui font plein de vidéos sur plein de sujets et il y a une vidéo par jour, donc du lundi au dimanche. Et il y a quelques temps, Sipi Melo avait posté une vidéo en expliquant qu'elle cherchait d'autres filles, puisque il allait y avoir des filles qui allaient arrêter donc la Glamrock Collab et puis elles avaient besoin donc de monde. Donc j'ai postulé sans grande conviction en me disant que de toute façon je serais pas prise. La semaine dernière j'ai eu un message de Sandra me disant comme quoi j'ai été retenue. Et donc du coup comme moi je faisais les vidéos le lundi et le jeudi, je me suis dit je vais tout simplement décaler ma vidéo pour ma chaîne perso. Donc vous pourrez me retrouver au final 3 jours par semaine, le lundi sur la chaîne de la Glamrock Collab, donc les sujets seront variés, et sur cette chaîne-là, donc ma chaîne perso, vous aurez une vidéo le mardi et une le jeudi. Alors j'espère que j'ai pas été trop fouillie dans mes explications, parce que là je me rends compte que j'ai passé 3 minutes à vous expliquer tout ça. Alors on passe maintenant au haul. Donc Noz, j'y étais déjà une première fois il y a à peu près 2 mois, et ça a été un choc parce que je connaissais pas du tout ce magasin. C'est vrai que je vais très rarement sur Pau et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs super sympas. Bon, je n'ai pas craqué, je me suis dit j'y retournerai avec mon chéri de toute façon quand je ferai mes tatous et à ce moment-là on verra. Et en fait, il y a une dizaine de jours quand on y était, on a carrément pas craqué le budget mais on s'est vraiment lâché. Alors il y a certaines choses que je ne peux pas vous montrer parce que c'est déjà dans le jardin, enfin c'est sur place, mais on avait acheté des petites pancartes comme ça en ardoise où on peut noter plein de choses, et nous on avait décidé de noter le nom des fleurs, et dans mon jardin zen j'avais mis 2 citations. Voilà, tout simplement. Et ça, elles étaient à 1,50€ pièce, donc elles étaient pas chères du tout, on en a pris une dizaine. Ensuite, il y a d'autres produits que je pourrais pas vous montrer non plus, tout simplement, parce que je les destine à un swap. Que la personne garde la surprise puisque la personne voit mes vidéos. Alors on démarre par le gros coup de cœur, c'est, et puis alors là Sandra je te fais un coucou parce que c'est en voyant ton haul que je me suis dit il faut absolument que je les trouve au Noz. Et au final j'ai fait tout le magasin, je les trouvais pas, et j'ai dit à mon chéri mais c'est pas possible quand même parce que elle a trouvé ces écharpes là et là elles y sont pas, je suis trop dégoûtée. Et il me dit non mais t'es passée devant 2 fois, donc heureusement que mon chéri les avait vues. Et donc je suis allée en prendre. Donc ce sont des écharpes, voilà, assez fines quand même. Moi je trouve qu'elles sont assez fines, donc là c'est parfait pour la mi-saison. Et le dessin est juste magnifique, je vais vous le mettre à l'endroit. Ce sont des têtes de mort. Voilà, c'est vraiment, enfin moi je les adore. J'en ai pris une comme ça en turquoise et une en, j'ai exprès, je ne l'ai pas utilisée encore parce que j'ai voulu laisser l'étiquette dessus. Et une en orange. Il y en avait en blanc cassé, il y en avait aussi en vert, mais le vert me bottait pas trop. Et puis il n'y en avait pas en noir, donc j'ai pris ces 2 couleurs-là. Et c'était à 1,99€ pièce.
On a pris, je sais pas si vous connaissez, vous avez en ce moment les kits papillotes quand vous allez au supermarché, au rayon épices pour faire les escalopes, les rôtis, etc. Et là, il y en avait des nouveaux, donc c'est de la marque Ducro, c'est les nuggets classiques avec, on a choisi la sauce oignon ciboulette. Voilà. Et ça, on les a payés 1,50€ pièce. Non, parce que je raconte n'importe quoi. 99 centimes. Et on en a pris 10 aussi. Donc c'est top. Vous avez en gros le sachet, emballé les épices. C'est vraiment super pratique. C'est pas cher. On est tombé sur deux attrape-souris, des tapettes à souris. Parce que dans la vie, dans un ancien corps de ferme, et il y a des souris. Donc... Et c'était 1,50€ les deux. Autre découverte, et ça franchement ça va être super utile. Alors si vous avez aucun souci d'articulation, vous vous en fichez complètement, mais les personnes qui ont souvent mal aux articulations vont me comprendre. Ce sont en fait des kits, donc il y en a à chaque fois deux dedans, deux gaines si je peux dire. Donc là il y en avait, alors c'est à chaque fois 1,50€, donc là il y en a deux pour le poignet, il y en avait deux pour le genou et deux pour la cheville. Donc cheville et poignet, c'est plus quand même pour mon homme parce que il a souvent des douleurs, et moi avec mes problèmes de genoux, ça va être top. Il y en a deux, elles sont lavables, géniales, et elles sont vraiment très extensibles, donc vraiment très bien pour 1,50€, voilà. Autre produit, alors ça c'est mon chéri qui l'a pris, c'est un hub 4 ports, donc qui coûtait 1,95€. Mais j'ai craqué, je crois que je vais même pas l'utiliser en fait, je vais le garder parce que ce serait dommage de le salir. C'est un torchon de cuisine avec, s'il vous plaît, quand même des têtes de mort quoi. Il est trop beau et c'est un coton super épais et il coûtait 95 centimes. Voilà, donc vraiment, enfin on se pose pas trop la question, c'est vraiment du 100% coton, on peut le laver... comme on veut, ça craint rien. Il y avait que ce coloris là, c'est dommage parce que sinon j'en aurais pris plusieurs, mais bon voilà. Donc super, même dans la cuisine il va y avoir des têtes de mort, ça va être joyeux. Autre produit, alors c'était un lot de 3, c'était des petits des mini pots comme ça, voilà. Donc il y en avait comme ça et voilà les 3, donc celui du milieu était un peu plus foncé. Et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Donc on l'ouvre, c'est en céramique. Hein. Et après on met ce qu'on veut dedans. Il y a une petite cuillère en bois, c'est vraiment trop mignon. Et vous allez me dire pourquoi elle a choisi ça. Alors on peut mettre, c'était marqué sur l'emballage qu'on peut mettre des sauces, des choses comme ça dedans. Moi je vais plutôt l'utiliser pour les cosmétiques, quand je vais faire mes masques capillaires et tout moi-même. Ça va être bien utile, donc voilà. Ensuite, autre produit, j'ai pris un gommage corps avec des fruits bio, donc au jus d'abricot et extrait de mangue. Il était à 1,90€. Voilà, et c'est de la marque. Alors, si j'arrive pas à enlever l'étiquette, ça va pas le faire. C'était de la marque. Hop là. Signature. Voilà, donc je connais pas du tout la marque. Ça sent super bon et il est très doux comme gommage. Il n'agresse pas du tout la peau, donc vraiment super découverte. Autre produit, c'est un gel douche gommant. Oui, bah, toujours dans les gommages. De la marque Trickle Moon. J'espère que je vais le dire correctement. Et celui-là, il est à la grenade et ça sent... C'est une tuerie. Par contre, effectivement, ça a une senteur beaucoup plus chimique. Là, il n'y a vraiment pas photo entre celui-là et celui-là. On ne risque pas de se planter, même les yeux fermés. À la senteur, on va savoir que c'est celui-là, le bio. Hein, parce que ça, c'est une odeur 100% chimique. Mais ça sent tellement bon. Par contre, il décape quand même beaucoup plus que celui-là. Donc, comment je me fais un gommage, je le fais sur tout le corps, ça me paraît logique. Et du coup, celui-là, je vais peut-être pas l'appliquer sur la poitrine parce que ça risque de décaper un peu plus. Et puis, moi, d'un son, les gels douche gommants, j'adore parce que ça évite de d'abord faire le gommage, après le gel douche. Enfin bon, c'est un gain de temps. Donc, vraiment ravie par ces produits-là. Autre produit que j'ai pris, j'en ai pris plusieurs, c'est également... Alors là, j'enlève le prix.
C'est également de la gamme Signature, donc la même gamme que le gommage. Et c'est une crème pour les mains avec des fruits bio, donc toujours au jus d'abricot et extrait de mangue. Et je vous avouerai que je ne l'ai pas encore testée, donc je vais la tester en direct. Alors déjà, c'est une crème assez fluide. Ah, ça sent bon, ça sent bon. Ça sent super bon. Bon, ça sent le produit bio, hein. Ça, il n'y a pas photo. Donc ça a quand même une odeur assez spécifique si on n'a pas l'habitude, voilà. Mais ça sent bon. Effectivement, ma peau, elle est mais super hydratée, quoi. C'est un truc de fou. C'est instantané. C'est franchement, je suis super contente. Un super produit. Après l'odeur, ça sent quand même plus l'abricot. Ouais, ça sent plus l'abricot que la mangue, quand même, hein. Mais génial en fait, top. Et puis elle est toute petite, donc c'est vraiment pratique pour la mettre dans le sac à main. Voilà, ce haul du coup est fini. Qu'est-ce qu'il y avait encore qu'on a acheté? Ah bah non, mais il y a plein de choses que je peux pas vous montrer. Là, de toute façon, j'ai déjà montré des choses que je garde pour moi et que j'ai pris aussi pour le swap, que j'ai pris en double en fait. Mais il y a des choses que je peux pas vous montrer. Et franchement, j'ai hâte, ce swap là, j'ai franchement hâte de le faire parce que ça me tient vraiment à cœur. Je mets tout mon cœur pour que la personne soit super contente. Et là, pour le coup, j'ai trouvé un truc, mon choukignou, tu vas surkiffer, ça va être du kiffage. Mais alors je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, là on est à plus de 20 minutes, c'est une catastrophe, mais sachant que j'ai repris plusieurs fois certains produits parce que je commençais à cafouiller et puis il y avait des blancs, donc je vais quand même couper pas mal, donc je peux pas vous dire si elle va être longue ou pas, j'espère pas, mais dans tous les cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés, si vous les utilisez, si vous les avez achetés, si vous êtes satisfait ou pas. Et petit rappel quand même, même si je l'ai dit en début de vidéo, donc à partir de cette semaine, il y a du changement sur ma chaîne. Je vais mettre 3 vidéos par semaine. Donc le lundi, ce sera sur la chaîne de la Glam Rock Collab, puisque je suis maintenant le lundi de la collab. Et pour ma chaîne perso, ce sera tous les mardis et tous les jeudis. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi.